Stade, bravo, sur un parcours nettement plus rapide cette année. Bravo. Et voilà, j'ai prêt, je suis parti. Kilomètres, les 5 premières éditions. Bravo. Très belle course, comme d'habitude, et puis j'ai très bonne sensation, je suis en préparation de cross. Donc ça a été, d'habitude je mène jamais tout de suite, puis là j'ai dit pourquoi pas, je suis parti au deuxième kill, et puis vu que j'avais les jambes, j'ai déroulé et tout s'est bien passé, impeccable. Pas d'opposition particulière? Non, impeccable, tout va bien, pourvu que ça dure, et au cross je pense que ça ira. Au début j'ai voulu faire la course un peu en tête, mais comme je disais à ton collègue, il y a 3 semaines je me suis fait opérer l'appendicite, donc là j'ai repris la semaine passée. Puis bon après Christian, on est resté derrière pour 50 mètres pendant toute la course, on n'est jamais pu revenir. Mais bon, autrement, bonne sensation, je suis content de la deuxième place. Le circuit était roulant aujourd'hui? Ouais, c'était moins technique que les fois d'avant, parce que dans les sous-bois, ça glissait à chaque fois. Mais bon, là, au départ aussi, il y avait quand même des parties glissantes, si on s'est fait distancer avec Christian. Et puis après, bon, la course, les places étaient faites. Voilà, la première féminine sur les 8 km, bravo, mais bien ton numéro de Tessard. À l'endroit, voilà, le Tessard 650, donc Nicolas Béranger, Eric Mercier, voilà, donc tous les deux du Team Spawn. Voilà, amis de longue date sur le parcours, quoi, enfin sur le circuit de la course à pied. Et la course, comment s'est déroulée la course? Donc on est parti avec les coureurs du 8. Xavier Saguet est avec nous. Après, à la fin du premier tour, on a réussi à le lâcher pour dire de finir faire la course à deux. Et à 2 km de l'arrivée, on a décidé de finir ensemble, parce qu'on s'était bien bagarré tous les deux. Donc on a pris des relais ensemble. Donc c'est un parcours roulant cette année? Oui, parcours roulant cette année. Ils avaient dû éliminer la partie souple puisqu'elle était inondée. Donc assez favorable pour moi. Et Eric, c'est une valeur sûre, donc il lâche jamais. Quoi, donc c'est la première fois que vous... C'est la première fois que je fais la course, parce que j'organisais avant, j'étais partie de l'organisation. Mais on a couru, je sais pas combien de courses ensemble, peut-être une centaine de courses maintenant. Et puis on a partagé des relais, on a fait des courses en relais ensemble, on a fait des belles choses ensemble. Donc c'est une première victoire commune, en fait. Voilà, c'est vrai, c'est une première victoire commune. C'est la première fois où on peut courir sur cette course ensemble, voilà, et on finit tous les deux, donc voilà. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'on est à 680 coureurs, donc record battu. On attend la course des enfants. Donc le 1000 mètres est à 11h. On attend, je pense, une cinquantaine d'enfants sur le 1000 et autant sur le 400. Donc une bonne édition. On a dû raccourcir un petit peu, tu vois, c'est par rapport aux autres années à cause de la boue. Mais globalement, ça s'est bien passé. Ok.